Bonjour les belles colombes, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue pour le book haul du mois de septembre. Ai-je été raisonnable? Plus ou moins. Bon, on va pas traîner en longueur. On va directement aller dans le vif du sujet. Il y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout. Il y a même un agenda pour 2020 et une encyclopédie. Donc, si ça vous dit, restez. Donc, on va commencer directement par un tome 2. C'est Sanctuaire, la saga des quatre éléments. Donc, le tome 2 de Clélie Avit aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je m'excuse avec un gros chat dans la gorge. En fait, c'est le livre. Le tome 1, c'est le livre que je suis en train de lire pour le moment. Voilà, donc je ne sais pas en fait quand je vais vous mettre cette vidéo, hein, alors que je ne vous ai même pas encore mis le book haul du mois de juillet, je pense. Donc voilà, je suis en train de lire Les Messagers des Vents et j'en suis à la moitié, comme vous pouvez voir. C'est des beaux bébés. Franchement, il fait 700 pages. C'est quand même énorme. On croirait pas comme ça. On se dit c'est des livres de poche. Mais en fait, après, une fois qu'on est dedans, ça avance, hein. Y a pas de... En tout cas, pour le moment, il y a vraiment... Il y a de l'action. Ça avance. L'histoire se crée. On est vraiment dans le monde du messager des vents pour le moment. Et ouais, c'est bien. En tout cas, j'aime bien pour le moment. C'est pas non plus waouh. Mais je vous en parlerai de toute façon dans un point lecture. Mais du coup, il y a 5 tomes pour... je suis désolée pour ma voix qui part en cacahuète. Il y a 5 tomes dans cette saga-là. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais procurer le deuxième. Et je pense que j'ai bien fait parce que je pense que j'aurais envie de savoir la suite. J'espère en tout cas, c'est m'attacher au personnage. Parce que ça, j'ai un peu plus de difficultés. Mais bon, voilà, on verra. Et j'espère que j'ai pas appris ce tome 2-là pour rien. Mais du coup, je peux peut-être vous raconter... Pourquoi je l'ai pris? Pourquoi je l'ai pris? Ben parce que c'est de la fantasy, tout simplement. C'est un monde qui a été créé et qui est franchement sympa, avec de la magie et un artefact, des artefacts même peut-être. Du coup, oui, ça m'intéresse vachement. Alors, fuir, rester sur le qui-vive, son arc à la main, c'est le quotidien d'Eriana. Dans sa course éperdue, elle va pourtant croiser la route de Cétrian. Le jeune messager des vents doit l'initier à un terrible secret. Sa communauté est menacée par une prophétie et seule une jeune femme bien particulière pourra la sauver. Mais Rihanna hésite à lui faire confiance. Et si les prophètes avaient eu tort? Alors que ses doutes servent le jeu des ennemis, la sentence se rapproche. Rihanna aura-t-elle la force de mener une quête dont les enjeux la dépassent? Donc voilà, on est clairement sur une quête, on est sur de l'action et voilà. C'est quand même un livre qui est sorti il y a pas mal de temps, hein, ce premier tome là, il me semble, hein. En 2015, ouais, il y a quand même 4 ans. Mais voilà, la saga elle est déjà terminée, donc voilà, j'avais envie de quand je suis en train de lire un tome 1, généralement j'ai envie souvent de me procurer le tome 2. On sait jamais que j'ai envie de le lire directement après là, vous voyez? Bon, bref, on verra. Ensuite, ça par contre, j'ai adoré le tome 1, je l'ai terminé avant celui-ci. C'est La Voix des Oracles, le tome 2 Enoch d'Estelle Fay aux éditions Folio SF. Et ça, j'ai hâte de m'y replonger. En fait, Tia, dans le tome 1, Tia, on est dans la période grecque. Enfin, romaine, dans l'Empire romain, voilà, à ce moment-là. Et en fait, Tia, c'est une oracle, donc elle a des dons de vision, elle sait voir les choses, elle a des flashs, etc. Et c'est le moment où la chrétienté arrive et veut prendre le dessus, etc. Et donc, évidemment, Tia doit s'enfuir. Et sur son chemin, eh bien, elle rencontre Enoch, qui est un coiffeur particulier avec... avec certains talents. Elle va aussi rencontrer Ailus, son oncle. Et puis ben voilà, elle se remet en question un peu sur les questions qu'elle se pose avec son père, etc. Et c'était super. C'était super. J'ai adoré me retrouver dans cette ambiance. Et du coup, j'ai hâte de retrouver les autres personnages. Il y a également. C'est une trilogie, donc il y a du coup un troisième tome et un dernier tome qui m'attendra. Donc déjà là, on est dans de la fantasy et c'est juste super génial, dans du fantastique. Et je kiffe. Alors, l'autre
qui me tentait, mais il était. Je savais pas qu'il était sorti en poche en fait. Et donc maintenant que je l'ai vu en poche, ben je l'ai pris. J'espère qu'il va me plaire. Et ça s'appelle Les 81 frères, Chroniques de l'étrange. C'est le tome 1 de Romain Ducier aux éditions Folio SF. Alors, je vous ai pas dit, mais avec Sanctuaire ici, on est sur du 635 pages. Comme ça, vous savez, c'est vrai, hein. Là, on est un peu plus dans le premier tome, on est à 670, je crois. Pour celui-là, La Voix des Oracles, on est à 362 pages. Et ici, pour Les 80 frères, Chroniques de l'étrange de Romain Ducier, on est sur du 376 pages. Donc ça va. Alors, c'est écrit par contre assez dense, hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc à voir ce que ça va donner. Mais je vous lis déjà la quatrième de couverture. Donc vous allez vous dire, ah ouais, bah, je comprends pourquoi Steph elle a craqué. Alors, Johnny Kwan est un fatsi, un exorciste taoïste. Déjà, du coup, on se retrouve dans une culture qui est totalement différente. Donc oui, ça m'a tiré d'office. Alors que Hong Kong se prépare à célébrer l'anniversaire de la rétrocession, Anthony Cho, le célèbre milliardaire, le charge de retrouver un manuscrit très ancien. Manuscrit très ancien, voilà. Hong Kong, voilà. Johnny, non sans être au préalable débarrassé de quelques fantômes et autres démons, va vite comprendre que cette mission, a priori facile, en cache une autre bien plus complexe et cruciale, mettant en cause une mystérieuse organisation secrète, les 81 frères. Donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais accrocher ou pas. On verra, mais ça se passe dans une autre culture, avec d'autres personnages, des noms différents. Et moi, quand ça m'emmène, ben, ouais, tout ce que je demande. Donc voilà, ici on est dans l'Empire romain. Voilà, là on est dans de la magie, les artefacts. Ouais, non, je suis trop contente de mes choix. Ensuite, un qui est depuis très longtemps lui aussi dans ma wishlist, et je pense que c'est une trilogie, ça a été édité par Amazon Crossing, c'est-à-dire que oui, Amazon publie des livres, c'est The Paper Magician, donc le magicien de papier de Charlie N. Holmberg. Voilà, c'est l'édition française et il y a trois livres. Voilà, donc ça n'a pas l'air d'être des longs livres, hein. Et en plus ça a l'air assez aéré, c'est 220 pages, et puis 220 pages, et vous voyez comment c'est quand même assez aéré. Et il me donnait tellement envie depuis tellement longtemps, donc je suis super contente. Et du coup je vous raconte la quatrième de couverture pour que vous ayez une idée. C'est le cœur brisé que Séoni Twill, 19 ans, débarque chez le magicien Emery Tane. Sortie major de sa promotion à l'école Tagis Praff, elle se voit contrainte d'embrasser la magie du papier, elle qui rêvait de travailler le métal. Bon, déjà, je trouve ça attirant. Or, une fois qu'elle sera liée au papier, matériau qu'elle dédaigne, elle sait que c'est pour le restant de sa vie. Dès le début de son apprentissage, pardon, chez l'excentrique mais si charmant Emery, Sioni découvre un monde merveilleux qu'elle ne soupçonnait pas. Animer des créatures de papier, donner vie à des récits grâce aux images qui les illustrent, prédire l'avenir, mais son bonheur se ternit quand elle se trouve confrontée au danger de la magie interdite. Une exciseuse, pratiquant la magie noire liée à l'élément de chair, attaque le magicien et lui arrache le cœur avant de s'enfuir avec son précieux butin. Pour le sauver, Sioni devra affronter l'horrible sorcière assoiffée de sang et se lancer dans un périlleux périple qui l'amènera dans les méandres du cœur de son mentor, dont elle va découvrir les lourds secrets. Voilà, je crois que voilà, ça pourrait le faire. Et je pense que le deuxième, ou peut-être le troisième, c'est The Glass Magician, donc le magicien de verre. Et donc voilà, apparemment, ils maîtrisent tous un élément. Donc, ouais, direct, ça m'a donné envie. Je veux dire, déjà avec la saga ici, les messagers des vents, ben voilà, je sais qu'on parle des éléments. Donc c'est pour ça que ça m'a vachement tenté. Ici, je sais pas, Sanctuaire, où est-ce qu'ils vont se retrouver? En territoire des terres, apparemment. Oui, c'est là où ils vont. Donc, je sais pas. Mais voilà, moi, ça me donne trop envie quand on parle d'éléments différents comme ça. Alors, après, ça aussi, c'est un livre qui était depuis très longtemps sur ma wishlist, hein. C'est L'aura noire de Roberto Sanquer aux éditions Scrinéo. Je crois que c'est la première fois que j'ai un livre des éditions Scrinéo. C'est un livre que j'ai trouvé en seconde main. Les autres, non.
celui-là, oui. Et c'est dosé Dioscrinéo, je l'ai dit, voilà. Donc, alors, ça a l'air d'être une grosse pavasse comme ça. Il fait, ouah, ça va encore, 465 pages. Et ma foi, ça a l'air quand même assez aéré. Donc, des fois, vous voyez, c'est plus traître un livre comme celui-ci qu'un livre comme celui-ci. On dirait pas, mais sérieusement, si. Alors, l'aura noire, déjà, je trouve que la beauté de la couverture, elle est waouh. Alors, comment affronter le destin quand on est une ado comme les autres? Que l'on travaille d'arrache-pied pour devenir une sorcière guérisseuse. Vous comprenez déjà là où j'étais happée, hein, où ça m'a. Que l'on est amoureuse alors que c'est interdit. Qu'une terrible malédiction tue précisément tous ceux que vous aimez. Un démon majeur, tiré d'un sommeil séculaire, assoiffé de vengeance et de conquête, refait surface 3 000 ans après l'apocalypse qui a anéanti la terre arcane. Dans ce nouvel univers, les arbres ont acquis une conscience et les humains des pouvoirs singuliers. Là aussi, ça m'a parlé directement, quoi. Les arbres avec la conscience, des pouvoirs singuliers. Ainsi en est-il de 13 apprentis sorcières, là aussi, voilà, j'étais déjà, hein, qui ignorent encore que le poids du monde repose sur leurs épaules. Et parmi elles, Louise, choisie par la destinée pour barrer la route de cette force démoniaque. Alors, je ne sais pas exactement combien il y a de tomes, mais je ne sais pas tout ce que je. Voilà, les éléments où je me suis arrêtée, ça me parlait. Donc, dès que ça me parle, moi, je dis, ben oui. Donc, voilà, on verra ce que ça donne. Mais oui, il y a beaucoup de magie, sorcières, éléments, tout ça. Mais en même temps, on arrive dans l'automne, hein, donc voilà. Alors, un autre. Par contre, lui, ça a l'air d'être une bricasse, mais assez aérée également. Mais bon, c'est Zénith, les forces du passé de Sacha Alsberg et de Lindsay Cummings aux éditions Bayard. Ouais. Donc, je trouve que déjà la couverture aussi, les couvertures, elles envoient pas mal. Hein. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais les maisons d'édition font du très bon travail pour ça. Alors je vais vous lire un petit peu, je l'ai choisi parce que c'est vrai que de plus en plus je suis attirée par la science-fiction. Vous avez remarqué dans les book hauls, je mets pas mal de livres de science-fiction avec des autres planètes, etc. Ça me donne envie vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et celui-là, j'ai hésité, puis je me suis dit, mais non, lance-toi. Donc voilà, c'est un livre qui fait plus de 600. Bref, qui fait à peu près 630 pages, voilà, 634 pages. C'est écrit assez aéré, hein, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est assez cool, hein. C'est encore sympa, je dois dire. À voir évidemment, ma petite facture. C'est en seconde main que je l'ai trouvé aussi, donc ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on le voit, il est un peu de travers. Je sais pas si vous voyez. Enfin, c'est pas grave, mais il est un peu de travers. Voyez? C'est pas grave. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Un gang de filles sanguinaires règne sur la galaxie Mirabelle. Surentraînées, expertes en maniement des armes, pilotes de génie, ces rebelles ne respectent qu'une loi, la leur. À leur tête, Androma Rachella, alias la baronne sanglante, criminelle recherchée dans tous les systèmes unifiés, compte les morts qu'elle laisse sur son passage. Mais quand Dex, une sombre figure du passé, ressurgit pour leur proposer un marché, leur errance s'arrête brutalement. Andy se retrouve face à un terrible dilemme, mourir ou trahir. Si la baronne sanglante n'a plus rien à perdre, elle a une dernière mission à accomplir, la vengeance. Et Androma est plutôt douée dans son genre. Alors, c'est vrai que genre ensanglanté, tout ça, généralement, c'est pas trop mon trip. Mais je sais pas, ça se passe pas ici sur Terre, c'est différent. Donc, voilà, je sais pas, j'espère que ça va le faire sincèrement parce que ça me donne vraiment envie. Donc voilà. Allez, ça diminue parce qu'en fait, il reste un roman et puis après, on passe à l'agenda et à l'encyclopédie. Voilà, donc là, j'ai craqué, j'avais envie d'un roman qui parle de romance, mais où on peut s'évader aussi. Et j'ai craqué sur Le ciel de Darjeeling de Nicole Vosler aux éditions L'Archipel. Voilà. C'est aussi un livre que j'ai eu en seconde main. Bon là par contre il y a quand même, c'est aéré mais il y a quand même à lire. Et c'est un livre qui nous fait du coup ici 425 pages. Donc ouais, c'est quand même un chouette livre. Alors ben, on va aller en Inde. Donc je vous emmène en Inde avec moi, d'accord? Alors tous les rêves mènent en Inde, tous les mirages aussi. Ah.
Alors, Cornouailles, 1876, après la mort de son père, Héléna, 16 ans, se retrouve dans la misère. Un jour, un inconnu lui fait une offre. Aussi riche que séduisant, Ian Neville lui propose de l'épouser et d'assurer l'éducation de son jeune frère. Mais il y met une condition, qu'elle accepte de le suivre en Inde, où il gère une vaste plantation de thé au pied de l'Himalaya. Autant vous dire que c'est ça qui m'a donné envie de partir, de bouger. Voilà, une plantation de thé au pied de l'Himalaya. Oui, voilà, ça me donnait envie de m'évader un peu. En se donnant à son mystérieux bienfaiteur, la jeune femme a conscience de faire un saut dans l'inconnu. Mais l'espoir de ne manquer de rien, le cadre de vie somptueux de Darjeeling et le charme de son époux ont raison de ses réticences. Jusqu'au jour où, Ian étant en voyage, Héléna reçoit la visite d'un homme qu'elle avait rencontré lors d'un bal en Angleterre. Le retrouvaille éveille en elle des questions sur le passé de Ian, dont celui-ci n'a jamais rien voulu lui dire. Pourquoi ignore-t-elle tout de son ascendance? Cessera-t-il un jour d'être un étranger à ses yeux? Un voyage initiatique et sensuel aux confins de l'Inde millénaire. Ça donne envie, je trouve, la couverture aussi, on a envie de partir en vacances, de voyager. J'espère que ça me fera voyager en tout cas. Voilà. Alors là, à chaque fois, je remets en dessous le livre. Vous allez dire, pourquoi tu ne mets pas au-dessus? Je ne sais pas. Parce que c'était dans l'ordre. Et je viens vous présenter maintenant l'agenda 2020 sur lequel j'ai craqué. C'est Woman is Beautiful, révélez votre féminin sacré. Mon cahier 2020 d'Héloïse. Est-ce que je vais bien dire figé? C'est bien DG hein, que je vois. Aux éditions Solar. Je sais pas. En fait, quand je l'ai vu, je l'ai eu entre les mains. Parce que là, oui, effectivement, je ne l'ai pas commandé juste comme ça. Il m'avait l'air, mais juste super. Alors, à savoir que c'est un agenda qui est pour moi trop petit. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu as acheté un agenda s'il est trop petit? Parce que j'ai déjà mon bullet journal et que je mets déjà pas mal de choses. Mais il y a plein de choses intéressantes dedans et je pense que je pourrais mettre même ne serait-ce qu'une pensée positive, une affirmation positive, ou je pourrais mettre une citation, enfin je sais pas, ou quelque chose de positif de ma journée. Bref, je sais bien que je pourrais caser quelque chose. Du coup, voilà, c'est plus l'intérieur, moi, qui m'a attirée. Voilà, par exemple, la semaine 20, là on est en mai, ma pensée de la semaine, on nous parle de l'odorat, voilà, qui est le plus mystérieux de nos sens, qui joue un rôle clé dans les émotions, le comportement, l'attirance, le rejet. Puis on nous parle d'évoluer, voilà. Ici, par exemple, on a encore un petit coin où on nous dit mes odeurs du bonheur. L'odorat vous donne un super pouvoir, celui de vous rappeler des souvenirs lointains enfouis comme les souvenirs d'enfance, etc., etc. Et puis on peut mettre des notes, peut-être on peut notifier quelles sont les odeurs qui nous aiment ici. Ça peut être sympa. Et puis ici on a aussi, donc là on joue avec l'essence, donc on a ici on a briller, on a ici ressentir et ici sentir et manger en bas. Donc au-dessus on nous parle d'un bain plaisir aux huiles essentielles, donc voilà, de choisir un support, du miel, du lait d'amande, etc. Et d'y mettre 10 gouttes d'huile essentielle, 3 de camomille, 3 de marjolaine et 4 de lavande dans un bol, le verser dans le bain chaud, brasser un peu, et c'est parti pour la détente, j'adore. Puis après, il y a aussi, on parle de l'aromathérapie. Après, on nous met une petite to-do list, on a aussi ensuite un petit calendrier. Et ici, on a mangé. Donc, manger, j'imagine que voilà, pour votre cerveau, la saveur d'un aliment est en réalité due à trois sens, le goût, l'odeur et le toucher. Et on nous explique. Et puis, en fait, après, on a des trackers. Des trackers, ce sont des. Le fait de permettre de traquer un petit peu bah, son sommeil, son transit, ses menstruations, voilà. Et ici, en fait, c'est chanter des mantras. Manger avec les cinq sens, moment cocooning, voilà. Et vous devez remplir ben, jusque où vous l'avez fait, quoi. Si vous remplissez rien, ici, ben, vous remplissez rien et voilà. Et c'est des semaines à chaque fois différentes comme ça, donc voilà. Alors on a des questions aussi, mon journal féminin, voilà. Et là c'est comment je me suis sentie dans mon corps ce mois-ci, comment j'ai vécu mes émotions ce mois-ci. Donc un petit bilan, mais par rapport à son corps, à son féminin. Donc ça c'est top. Alors on a, vous voyez. Je vais peut-être vous montrer un mois, voilà. Donc février, j'apprends à m'aimer. Et donc on a à chaque fois le manger, briller, sentir, ressentir, évoluer. Et donc on nous parle un peu du mois de février. Puis après on a la roue des lunes de février.
Voilà, très féminin. Le mandala mood, genre l'ambiance, l'humeur de février. Et on nous met aussi un code couleur. Ça peut être sympa. Voilà, quand on est calme, on met en bleu. Quand on est heureuse, on met du jaune. Énergique, du rouge. Irritable, du vert clair. Donc, je trouve ça vraiment très bien fait. C'est top. Et puis voilà, à chaque fois, on a voilà, la pleine lune du 9 février, c'est la lune des cornes, etc., etc. Voilà, donc c'est encore différent. Le tracker ici est encore différent. Ça m'a attiré vraiment, ça m'a vraiment donné envie. Allez, on va prendre, on est au mois de septembre ici. Vous retrouvez après un peu toujours le même système, hein, mais... Voilà, ici, ben, septembre, je booste ma créativité. Et vous avez aussi une section notes à la fin. Donc après, voilà, le mandala de septembre. Bon, ça c'est pour l'année prochaine, hein. Puis vous avez donc toutes les semaines comme ça avec des différentes infos. Et puis, voilà, à chaque fois, vous avez votre journal féminin où vous répondez aux questions par rapport à votre côté féminin, pardon, et vous avez une partie notes. Voilà, donc c'est top, je trouve ça cool, je trouve ça sympa. Et puis on a une belle introduction évidemment qui nous introduit dans la féminité, dans le féminin sacré. Donc ça peut être super sympa aussi avec plein de petits trucs et astuces. Et au fond, non, ça c'est des cahiers. Donc voilà, je trouve ça top. Et au fond, vous avez, oh, c'est vrai que c'est pas terminé, mon année 2020 inspirante. Vous avez mes objectifs 2020, mes souvenirs 2020. Voilà, la routine matinale, ma routine du soir. Et je trouve ça vraiment bien fait. Donc ouais, j'ai craqué, mais voilà. Ça, c'est top. Et alors, on est déjà 21 minutes, 21 minutes. J'ai craqué sur cette encyclopédie. Bernard Werber, super intéressant ce qu'il écrit. L'encyclopédie du savoir relatif et absolu aux éditions Albin Michel. J'ai craqué quoi. J'ai craqué. Alors déjà, ouais, c'est une couverture holographique de ouf. Alors ça se voit pas trop ici, mais sinon ça se voit pas mal, c'est sympa. Mais c'est une encyclopédie, oui. Hein, donc voilà, on va. Bon, j'ouvre la page, je tombe sur le besoin d'amour. Peut-être que je devrais le lire. Besoin d'amour, et voilà, il va nous dire. Alors c'est pas très long en fait. Hein, donc voilà, ça commence ici. Ça se termine déjà là parce qu'après il y a l'apprentissage de l'abandon. Bon, je préfère le besoin d'amour. Et donc voilà, il nous explique que le psychologue Harry Harlow de l'université du Wisconsin a initié une série d'expériences en 1950 pour analyser sur des bébés singes l'influence de l'abandon et de la non-implication des parents. On pensait alors que jusqu'à 3 ans, le jeune primate, et donc par extension le jeune humain, n'avait besoin que de nourriture et de sommeil pour grandir. Dans un premier temps, Harlow a séparé des nouveau-nés macaques de leur mère durant les 3, 6, 12 et même 24 premiers mois. Pour certaines expériences, il a remplacé les mères par des mannequins équipés de biberons. Il a ainsi pu remarquer que les bébés allaient vers les mannequins équipés de fourrure plutôt que vers ceux équipés de grosses tétines productrices de lait et que le besoin de contact tactile pouvait prendre le dessus sur la faim. Les bébés, bon bref, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Il semble que l'individu ne peut pas savoir qu'on l'aime si cet amour ne lui a pas été démontré de manière physique, en le prenant dans les bras, en le cajolant, en le berçant, en lui parlant. Donc voilà, on pourrait imaginer un droit universel pour tous les enfants qui naissent d'être aimés par au moins l'un des parents. Et par voie de conséquence, le devoir des parents d'aimer leurs enfants. Et donc voilà, c'est... Voilà, on a aussi rien au commencement. On a des infos sur plein de choses. Alors apparemment, c'est divisé en plusieurs parties. Mais bon, bref. Jeu de cartes, mouvement gnostique, empathie. Bref, c'est une petite encyclopédie. Summer est la 11e planète. C'est une encyclopédie que je sais que je vais adorer lire un petit truc tous les matins. Le dragon chinois, la reine Kaïna, coopération, réciprocité, pardon. Bref, juste génialissime, je suis trop contente. Voilà, sur ce, le book haul est terminé du mois de septembre. Dites-moi un peu s'il y a des lectures qui vous donnent envie. Peut-être, voilà, la saga que je suis en train de lire. Peut-être l'Empire romain et le fait d'être un oracle. Ou encore se retrouver à Hong Kong, hein, avec des démons japonais, ce genre de choses. Être un magicien de papier. Ou alors être encore une sorcière avec des pouvoirs, ou encore aller
dans la galaxie, ou alors aller en Inde. Qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Peut-être est-ce mon encyclopédie ou peut-être est-ce mon agenda? Sur ce, je vous fais de gros bisous lumière. N'hésitez pas à me mettre vos lectures en cours et les lectures donc, que vous avez envie de vous procurer. Et sur ce, moi, je vous dis magnifique journée. Des bisous lumière.